Salut tout le monde, c'est Dark Tiger. Je sais pas si ce serait plus excitant que la dernière fois. Fait que si vous l'avez pas encore vu, c'est. La dernière, vous devriez l'avoir avant d'écouter celle-là, mais. Fait que la dernière fois, c'était quand même pas sérieux, c'est le début pour tout. Étrange. Là, je suis pas mal sûr que ça était l'excitement. J'étais assis, mais pourquoi je suis pas assis? C'est vraiment gossant. Ouvrez la valise. Ouais. What's up? Bonjour, monsieur. Voulez-vous quelque chose? Friday, tu as vu Pepper? Je crois qu'elle éteint un incendie. Au sens propre ou figuré, c'est à cause de moi. Au sens propre ou figuré? Elle a discuté avec la presse toute la matinée. Apparemment, votre annonce surprise a vraiment surpris. Vous ne regardez pas les infos? Tony Stark, qui aime les révélations stupéfiantes, a lâché une bombe aujourd'hui en nommant Pepper Potts nouveau PDG des industries Stark. Bon, fait que. S'il y a quelque chose, c'est mon secrétaire. Avant sa publication. Vous avez commis un impair, monsieur. C'est une chance unique dans une vie. Elle va me remercier. Je vais te tuer. Je suis ton assistante, Tony. Tu dois me prévenir avant de faire ce genre de choses. Tu n'es pas mon assistante. Tu es le PDG des industries Stark. Tu ne regardes pas les infos? Je devrais. Je vais. Pepper, il m'arrive de me tromper. Pas souvent, c'est évident. Tony. Mais, alors écoute, je ne suis pas né pour rester assis à un bureau. Et tu n'es pas né pour gérer mes contraventions. Je me demandais justement s'il y en avait d'autres. Il y en a plein la boîte à gants. Mais peu importe. L'entreprise a pris un tournant il y a des années. Nous devons servir le bien sur Terre. Et je veux que tu le fasses savoir. Est-ce que les gens ne tirent pas toujours sur le messager? Oh. Friday? Qui t'a appris à voler? Vous, monsieur. Malheureusement, ce n'est pas moi qui ai le contrôle. Quelqu'un a pris le contrôle. À distance. Regarde, c'est un drone Stark. Un drone de combat? On ne fait plus de drone de combat. Le drone s'encage dans une sorte de bouclier lumineux. Salut, Stark. On se connaît? Je suis un fantôme de ton passé. J'ai aucune idée c'est qui, mais quand même. Tony, regarde! Tu vas mourir. Non. Wow, wow, wow! Tony! Elle est consciente! Non! Tony! Friday! Ton avion vient d'égarer mes bagages! Déposez une plainte quand on sera à terre! Ouvre ma ceinture de sécurité! Pepper, je sais! Reviens en un seul morceau! Récupérez votre bagage. Quoi là? Non! Ces drones se dirigent droit sur Pepper. Je les vois, monsieur. Friday, je me sens un peu nu là. Tenez bon. Corps droit en approche. Des débris, tirez. Corps gauche en approche. Des débris, monsieur. Laisse-moi en approche sur votre gauche. Let's go. Drone en approche. Friday, où est ma tête? Dans les nuages, comme d'habitude. Le sol se rapproche vite. C'est bon.
Oh! Hey, ça m'a fait un saut! Oh, une étoile. Ben, un trophée. Salut! T'as vu quoi? Salut! Hello! Hello! Tu regardes, mais moi. Go, go, allez, allez, allez. Pion. Let's go. Système en ligne. Ça tombe bien, j'ai un avion à prendre. Tu ne peux pas fuir ton passé, Stark. C'est ce qu'on va voir. Pepper, tu m'entends? Il y a du vent, mais oui, je t'entends. Chapter 1, Out of the Blue. Monsieur, il y a une brèche dans le fuselage. Je suis au courant, Friday. Dis-moi quelque chose de neuf. Scan en cours. Ah oui, c'est sur l'avion, c'est pas le fun. Un des moteurs est en train de brûler. Une seconde explosion, monsieur. Moteur droit. Compris. Ok, faut que je me rapproche. Oh, faut y aller là. Wow, wow, wow. Je vais attendre un petit bout. Ok. Système anti-incendie voilà. En ligne. Ça sent déjà un peu moins le roussi. Bien joué, monsieur. C'est ça. Monsieur, le pilote automatique ne répond plus. L'appareil va s'écraser dans une zone densément peuplée. Je m'occupe du pilote automatique. Pepper, non, ne bouge pas, c'est trop dangereux. Dixit, celui qui s'est jeté hors de l'avion. Autre chose venant de notre invité surprise? Silence radio de sa part, mais ses molosses s'acharnent sur la porte. Laisse-les entrer. Ça, des projets. Ok, ça. On fait des exploits. Ouh, ok. Et... Oh, non. Piu, 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 piu. Oh, non. Ouais. Non, non, non. Pepper, Friday, qu'est-ce qui se passe? Recherche de Miss Potts. Notre nouvel ami brouille mon ATH. Il a aussi verrouillé l'accès au système de l'appareil. Impossible de localiser Miss Potts. Pepper, tu m'entends? Ennemi en approche. Non, il y a presque. Pepper? Pepper, réponds-moi. Tony, j'ai repris le contrôle de l'avion. J'adore les bonnes nouvelles. Monsieur, d'autres ennemis approchent. C'est pas une bonne nouvelle, Friday. D'abord. Non, vous ne sais pas. Pepper, où en est l'avion? En tout cas, il ne se dirige plus vers Los Angeles. C'est la mairie qui va être contente. Ouais. Monsieur, l'aileron bâbord est endommagé. Et où l'avion? Je vais m'en occuper. Allô? Go, 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 go. Pas de temps à perdre. Qu'est-ce que je fasse? C'est déjà mieux. J'aperçois une piste d'atterrissage d'urgence. Merci, Friday. Pepper, tu penses pouvoir poser l'appareil? On va vite le savoir. Ça va, c'est très
évidemment. Oh my god, ça m'a fait peur. À toi de jouer, Pepper. Train d'atterrissage paré. Bien joué, à vous deux. Si tout le monde est d'accord, je pense qu'on va s'arrêter là. Quoi ? Les vieilles armes auront raison de toi. Nouvelle signature énergétique détectée, monsieur. Plus d'ennemis ? Bien. Où ça, où ça ? La cachette me démangeait. Ouais. Oh, oh. Toutes les menaces sont éliminées. Mais je détecte que notre ami hacker est de retour. Friday ? Les systèmes sont hors ligne. Le gros est de retour. Les commandes sont verrouillées. Oh oh oh. Pepper ! Il a disparu du radar. J'ai bien vu. Rétablis la connexion. Système rétabli. Je crois que l'avion est définitivement perdu, monsieur. Pepper, trouve une sortie. Ok. Le feu s'est propagé dans la cabine. Je suis coincé. Miss Potts, il y a une trappe sous vos pieds. Un compartiment. Il mène au train avant. Trouvé. Je descends par là. Je te retrouve sous l'avion. Ouais, ouais. Ah, il peut m'agagner. Pepper, prends ma main. Tony. Ah. Bienvenue à bord. What's up? Ah. Ah, comment elle fait pour avoir de l'oxygène? Je veux une armure. Et comment elle fait pour avoir de l'oxygène? Let's go. Bon, enfin, on a eu de l'excitement. Ok. C'est beaucoup de la note? Ouh, 5 étoiles, let's go. Continue. Encore une autre fois, faut attendre. Ouh. Regardez, maman. Elle aide. Ils sont là, mais bon. Ben, il mourra. Ouais, qu'est-ce que. Je sais jamais quoi faire, attendez. Ah. Habituellement, je perçois le danger avant qu'il ne frappe. Même à 20 000 pieds. Bah, go! J'ai une embuscade. Et je voulais. Je voulais me venger. Il était 3 heures du matin. Quand j'ai laissé Pepper à l'hôpital, j'avais un plan qu'elle n'aurait pas approuvé. Je suis rentré et j'ai réveillé celui qui connaissait mes vieilles armes. Whatever, go! Je vois des petites étoiles partout. Oh, merci. J'en ai encore. Sérieux, je suis pas capable d'aller. Mon sac. Je peux le voir. Qu'est-ce que je fais?
Salut l'ami. Hein? Violin et tiroir, puis. Hé, hey, patron! Salut, l'ami. Où est la fête? Ça. La fête est finie. Super. J'ai une odeur de pied. Le bon vieux temps. Et tu le reconnais? Bien sûr que oui, je l'ai construit. Bizarre. Pas de numéro de série. D'où il sort? J'allais te le demander. Oh, quand je... blablabla. Monsieur, Miss Potts est dans un endroit sécurisé, mais son... Pardon, je pensais que vous étiez seule. Je suis de la famille. Friday, je te présente Gun... Et si tu étais au courant, fils à beauté? Hé! Je ne suis pas un écran tactile! Gunsmith, un peu de respect. Minute. Oh non. Miss Potts. Elle... elle est à l'hôpital. Et les ordures qui l'ont envoyée là? Toujours en cavale. Aide-moi à les trouver. On va les trouver, patron. Cool. Et à ce moment-là... T'as regardé? Oh, Colin. Je t'ai d'attendre. Ah ouais. Ah non, tu sais rien. Piu 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 piu. Il n'y a même pas de corps pour que je joue avec. Yeah. Yeah. Hein? Yeah. Hein? Moi, je suis ici. Piou, 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 piou. Ah, ça flash les yeux. Ah, oh. Ah, bon. C'est un bourg. Oh. Je me réveille. J'ai encore un peu d'eau pour faire la fête. Là-bas. Attends, là. Allez voir d'où vient la musique. Je peux pas aller là? Ouais. Oh, j'ai goût d'ouvrir la porte. Non, c'est moi qui ai goût de la faire. Hé. C'est Gunsmith qui a sorti ça de l'entrepôt? Si je m'envoie là, est-ce qu'on va la voir? Ah oui. Là-bas.
encore un peu. Non, c'est pas ça que je vais faire. Il retourne là-bas. Descends. Moyen, c'est que cette musique. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour, Friday. On en sait un peu plus sur la position de l'ennemi? Non, monsieur. C'est cette lumière solide. Notre ennemi camoufle vos drones avec un type d'énergie jusqu'alors inconnu, ce qui leur permet d'apparaître n'importe où. Patron, bien dormi? Le réveil a été rude. Baisse le son, d'accord? Venez me voir à votre armure quand vous pourrez. J'ai une surprise pour vous. Il est... passionné. C'est indéniable. Ouais, gros palmant, je m'en sacre. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Waouh! Vous êtes vraiment allé à fond dans cette histoire de super-héros, hein? Bah oui. Tu as fini par trouver d'où viennent ces drones? Quel sérieux! Eh oui. Enfin non. Enfin pas loin. Mais je trouve que votre armure est géniale. Ah. Et je pense pouvoir l'améliorer. Oh. Mais je suis un nain sur l'épaule d'un géant. Écoute, tu es là pour découvrir. Je suis là parce que c'est vraiment la guerre. Et vous savez que je n'y vais pas de main morte. T'as un peu. T'as un. Jetez un coup d'œil. Sérieux, au goût d'attendre. D'accord. Vends-moi du rêve. J'ai analysé votre armure et trouvé des endroits où des améliorations étaient possibles. Vous pouvez personnaliser l'équipement de chacun des emplacements en activant les éléments d'interface correspondants. Allez-y, patron. Sélectionnez un emplacement d'arme auxiliaire. Le. Choisissez l'équipement à fabriquer et à intégrer à l'armure depuis ce terminal virtuel. Vous pouvez assembler toutes sortes de gadgets à poudre à canon. Ouh, bon, l'utilisation, ça va être intéressant. Missile téléguidé. Si vous voulez tout savoir sur votre équipement, les spécificités de chaque arme sont visibles sur la table graphique. Non, non. Pour l'instant, fabriquons ça. Comme je le dis toujours, patron, plus on est de fous, plus on rit. Équipez ces missiles guidés sur votre autre bras aussi. Hein? Enfin, X. C'est très bien vu. Voyons ce que ces merveilles peuvent faire. C'est une excellente idée, patron. N'hésitez pas à bidouiller un peu plus votre armure si vous le souhaitez. Quand vous serez prêt, je vous ferai d'abord tester les missiles guidés. Parce que j'ai conçu le module comme ça. Non, juste... Ah oui, moi, attends. Bon, mais tiens. Non. Bon, bah, c'est munitions. Ouh. Ça, dispersé. Disperse, ouais. Ouh, ok, non, ça c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Piou, piou. Fabriqué. Et... X. Je vais aller le tester, C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Quand même. Une armure pour faire la fiesta! Je peux-tu le laisser le même? Let's go.
Dom, ça ressemble à quoi? Oh my god, c'est tellement beau! Fabriquer cette arme. Oui, non! Bon, elle-même, c'est beau. Y'en a-t-il d'autres que j'ai? Ça ressemble à quoi? Adapté pour les réunions et les vols en altitude. Mais en vert, c'est vraiment beau. Bon, j'ai laissé le même. C'est beau. Bye. Ok, je m'en vais où là pour faire d'autres affaires? Là-bas. Yon. Y'a pas d'autre, hein? Là-bas. Y'a juste ça là. Pourquoi je peux aller là-bas? Oh! Frida, Frida! Comment? C'est quoi? Non. Quoi que là? Non, 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 c'est les meilleurs, c'est ça. C'est le but. Ah, oh, ça goûte bon! T'as oublié de mettre de la salsa dessus? J'en prendrai un autre. Avec une petite riz, ça ferait pas de tort. Ah, ok, j'ai mangé la petite boue. Ok, j'ai plein de jus. Je mange le reste. Il y en a des personnes qui font ça. Là. Et si mes points sont là. Il m'aurait fallu de l'aide. Ah, oh, c'est plus facile avec l'armure. Pourquoi mon bruit fait qu'il y a... Ok, bon. Hey, il est mort. Ouh, c'est ça. Oh, c'est trop dur. Oh, basketball. Pip. Et c'est le but. Ouh. Ah. Ouh. Raté. Ok, je bats le record. Merde, merde. Go. Go, go, go. Oups. Presque. Go, go, go. Je recommence tout le temps jusqu'à temps que je réussisse. Bien joué. Joli. Ah. 4, non. Passable. Ça me fout pas. On recommence. Touche. Oh, il est pas. Oui. Ah oui, je suis capable. Évidemment, personne n'était là pour voir ça. Là-bas, là-bas. Oh, oui, balle, balle. Non, c'était bien. J'aurais pu être trop. Et, ouais, let's go. Pour la postérité. Bien joué.
J'ai battu le record, mais j'ai encore. J'ai goût encore plus le battre. Vite, let's go! Ouh! Oui, go. Jour, elle est là. Là. Je suis dans mon cercle. Oui, je suis dans mon cercle. Oui. Rien ne vaut la science. Bam, bam. Fini pour les gants. Uppercut. Bam. Côté de la femme, bébé. Bam, bam. Bam, bam. Ah, oh. Joli crochet ici. Ah oui, c'est crochet. Uppercut. Et on pire. Un tout. Pas bien. Tiens. Si vous allez là-bas. Ou après. Vivre sainement. Non, pas. Ouais. Et voilà. C'est pas grave. Je fais en dessous. Bip. Mais ça, c'est riche. Bip. Et voilà. Y a-t-il d'autres affaires à faire? Oh, ça, c'est quoi? Non. Ouais. Ah, bon, on va finir ça de même. Merci tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et on se revoit la prochaine fois. Bye!